بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرار محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة أخوات. On se retrouve alhamdulillah en cet après-midi pour un nouveau cours samedi. L'acculturation des musulmans de France. On reprend ce sujet qui a priori intéresse beaucoup de nos frères et sœurs puisque c'est au niveau des statistiques là où il y a le plus de vues, le plus de clics. Là, j'ai constaté. Il y a une moyenne environ de 500, je crois, et 700 vues sur un cours de, j'allais dire ainsi, étant nos plus prédécesseurs. Non, l'acculturation des musulmans de France. C'est un sujet apparemment qui intéresse. Voilà, les musulmans ont envie d'apprendre leur histoire et qu'est-ce qu'il en est. Et ça, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire... Je suis forcément content qu'il y ait plus de clics sur ça que d'autres. Il y a des cours du Tawhid où j'aimerais qu'ils soient plus vus aussi, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Alhamdoulilah, de toute façon, on ne fait que de parler de Tawhid et de Sunna dans les cours, quels que soient les cours, donc ça les amènera d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont que des moyens, Aynam. Donc c'est un cours qui plaît, a priori. C'est un cours qui plaît. Mais tant mieux. Quand la récompense le frère qui a écrit le livre aussi, Naam, pas l'oublier. L'acculturation des musulmans de France, la dernière conquête coloniale, cours 5. On en est au chapitre suivant. La pureté culturelle de Soral et de Samuel Huntington. Vous allez comprendre pourquoi on parle de Soral et de Huntington. Alors le mouvement d'Alain Soral, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, pour ceux qui, et c'est pas bien, auraient un petit peu trop traîné sur le YouTube. Pour regarder des Dieudonné, des Soral, des rappeurs dissidents, des ceci. Bon, ça c'était des erreurs. Moi-même je l'ai fait à une époque, très lointaine. Ah. Avant même le djinn, en vérité. Avant même de me convertir. Et dans le début de ma conversion, bon, j'ai fait ces erreurs-là. Regardez un petit peu parce qu'ils critiquent les sionistes, parce que si, parce que ça. Hein, c'est la pseudo-dissidence française. Les gens de la dissidence. Qui sont là un petit peu pour embêter le système, qui sont là pour dénoncer certaines choses, qui sont là qui critiquent certaines choses, qui disent certaines vérités aussi. C'est sûr. Qui disent certaines vérités, etc., etc. Donc, voilà. La dissidence française, c'est le mouvement d'Alain Soral. Il est intrinsèquement lié au mouvement soufi. Sachez-le, la dissidence française, pour peu qu'il y ait des musulmans à l'intérieur, c'est intrinsèquement lié au mouvement soufiste du Wahdat al-Wujud. Le Wahdat al-Wujud, qui considère, tout comme les dirigeants de l'Empire qu'ils combattent, parce qu'ils disent on est anti-impérialiste, on est contre l'Empire, on est contre tout, hein, et ils considèrent, tout comme les dirigeants de l'Empire qu'ils combattent, être l'unique islam compatible avec les valeurs républicaines. D'accord ? En France, le processus d'acculturation s'inscrit dans une tentative plus large de séculariser la religion musulmane. Donc des acculturateurs comme Jean-Michel Vernochet. Alors Vernochet, c'est un islamophobe notoire et très virulent de la mouvance, soraliste. Il est chez Soral, mais déteste l'islam. C'est lié au soufisme. Il déteste le vrai islam. S'il y a des dissidents, regardez bien, ils sont tous du mouvement Wahdat al-Wujud, tous de la mouvance soufiste, sans exception.
Mais voir un salafine digne de ce nom chez les Soral, chez les Dieudonné, ça n'existe pas. Voilà, vraiment, quelqu'un dit de la Sunna, elle est vraiment égarée, très ignorante. Encore une fois, le fléau de l'ignorance qu'on doit combattre. C'est comme une maladie, il faut prendre le remède. Voilà. On est ignorant et il faut se soigner. C'est obligatoire. Voilà. On reste pas malade. Ceux qui restent malades, ils vont dévier. Narm. Donc, des acculturateurs de la mouvance soraliste, comme Jean-Michel Vernachet, n'ont pour cela aucun problème à déclarer sur les ondes que pour être musulman, il faut être... En fait, il faut être soufi. Il faut absolument partager l'idéologie laïque. C'est ce que vont prôner ces gens-là de la dissidence, etc., etc. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le vrai islam, ils le combattent. Ils vont dire, un bon musulman, c'est un soufi, pour vous faire clair, puisque vous savez maintenant ce qu'est qu'un soufi. Et dans les cours précédents, on a décrit tout ça et leur intrusion dans le dîn. Et Jean-Michel Vernachet, il déclare dans un livre, hein, un livre qu'il a publié, s'appelle « Géopolitique et wahhabisme ». Ah tiens, on a le terme qui ressort, ça c'est les soufis. Sachez une chose mes frères et sœurs, et vous pouvez le noter aussi, toute personne qui parle de wahhabisme, toute personne qui parlera de wahhabisme, les wahhabites, la wahhabiya, les wahhabis, le wahhabisme, l'arabie, etc. Tous ces gens-là, naam, sont soit des koufars, qui détestent le djinn et qui le combattent, naam, soit des soufis. Mais bon, on a vu que koufars et soufis, finalement, c'est presque la même chose. Naam, c'est pas de ma faute, c'est eux. C'est eux qui veulent pas embrasser l'islam. C'est pas moi qui les... Hein, c'est... Encore une fois, ah, il est dur, Qassim, il est méchant. C'est quand même pas de ma faute s'ils veulent pas adopter la croyance authentique. Hein, c'est quand même pas moi qui est responsable de leur égarement. C'est comme Ayman, il prend l'autoroute à contresens, je lui dis fais attention, il me dit pourquoi t'es méchant. C'est dingue quand même. Arrête de prendre l'autoroute à contresens, ya meskin. J'arrêterai de te crier dessus. Donc le wahhabisme, voilà, c'est dit par les soufis. C'est par les koufars et par les soufis, voilà, le wahhabisme, ça vient. D'ailleurs, le wahhabisme, c'est un terme inventé par les soufis. Sachez-le, où est son origine? Qui a commencé à dire wahhabite, soufi. Donc dans son livre « Géopolitique et wahhabisme », il déclare « Voici le drame du wahhabisme ». Donc, pour ceux qui veulent vraiment des détails sur l'appellation wahhabisme, vous pouvez revenir à deux choses, à trois choses même. Premièrement, le livre en PDF qui est disponible sur le site, vous savez, le site de ces gens-là, Observatoire des islamologues de France. L'Observatoire des islamologues de France, le site du frère qui a écrit ce livre. Et ils ont écrit un petit PDF qui s'appelle « Briser le mythe wahhabite ». Briser le mythe wahhabite. Donc ça vous donnera beaucoup d'indications. Ceux qui n'aiment pas lire, j'ai fait des vidéos. Et voire même, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos, j'ai fait un cours audio. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde, toute personne qui veut en apprendre plus sur ce fameux terme et pourquoi. Alors en ce qui concerne mon audio, c'est le tout premier cours de Kitab al-Tawhid. Vous allez dans ma playlist sur YouTube. Et il y a la playlist des cours de Kitab al-Tawhid. Allah nous a permis de compléter. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le tout premier cours, j'expose la biographie, certes très succincte, concise. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. De Mohammed ibn Abdel Wahhab. Wahhab ou wahhabisme, voilà, vous l'aurez compris. J'ai exposé sa biographie, son parcours, ce qu'il a fait. Et j'ai expliqué le terme wahhabite un petit peu. Qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, etc. Donc ceux qui veulent un audio, il y a là-dedans. Il y a une vidéo aussi qui s'appelle « La vérité sur le wahhabisme ». Elle vient de moi. Sur ma chaîne, cliquez pas sur n'importe quelle vidéo qui s'appellerait comme ça, parce qu'il doit y en avoir d'autres. Il doit y en avoir bien d'autres, peut-être pas avec ce même titre, mais dans le même genre. Soyez bien vigilants, sinon ils vont vous égarer à vous raconter n'importe quoi sur soi-disant le wahhabisme. Donc allez pas sur une chaîne de ahbash de soufi, non. Sur ma chaîne, il y a une vidéo où on me voit, j'ai je crois un ramis bleu ciel et un rotra, un kéfier noir, non. Et on me voit avec mes mains comme ça, et les mains et le bas du ramis, non, mais je parle. Une vidéo d'une heure, je crois, ou Allahu A'lam, trois quarts d'heure, voilà. La vérité sur le wahhabisme. Vous aurez des explications pourquoi il parle de wahhabisme. C'est important de comprendre. El-Muhim, Vernachet, il dit, voilà le drame. C'est ça le drame du wahhabisme. Ils disent que c'est le véritable islam. Et bien sûr qu'on dit que c'est le véritable islam. Mais il ne s'appelle pas wahhabisme. En fait, c'est les gens qui, pour qualifier les gens qui s'attachent au bon islam, ont utilisé le mot wahhabisme. Cheikh Fawzen, il dit, on n'est pas des wahhabites. Il n'y a pas de wahhabisme, ça n'existe pas. Mais quiconque t'appelle wahhabite ou que tu fais partie du wahhabisme, eh ben sache que c'est un égaré et sois fier de ce qu'il t'a dit, sois content. Pourquoi ? Parce que toi, tu ne te revendiques pas wahhabite, en vérité. Tu te revendiques sunni, salafi, tu t'attaches à l'islam authentique. Mais lui, il voit l'islam authentique comme du wahhabisme. Donc s'il dit que t'es wahhabite, c'est bon signe pour toi. Comprenez ? Réjouis-toi. Quand les gens disent « Ouais, t'es qu'un wahhabite, tu prêches le wahhabisme, si tu veux. »
Moi, je suis fier de ça, il n'y a pas de problème, hein. Entre guillemets, fier d'être wahhabite, mais non. Il n'y a pas de wahhabite. Il n'y a pas de wahhabisme, c'est eux qui inventent ce terme-là. Voilà, pour désigner ceux qui s'attachent à l'islam authentique. Vous comprenez un petit peu mieux? Alors forcément, ils ne sont pas contents. Forcément, ils ne sont pas contents. Et pourquoi ils disent wahhabite? Parce que, justement, Cheikh l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, il a fait son effort, il a tellement fait d'efforts et de bien pour que le tawhid se propage, que son nom il est resté, et qu'on assimile les gens qui suivent la voie du bien à une voie, pseudo-voie qui est le wahhabisme. Sauf que la voie de Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est la voie de l'imam Ahmed, c'est la voie de l'imam Malik, c'est la voie d'Abu Hanifa, c'est la voie de Shafi'i, c'est la voie de Omar ibn Khattab, c'est la voie de Abi Bakr as-Siddiq, c'est la voie de Aïcha, c'est la voix de Abu Sa'id al-Khudri, c'est la voix d'Ibn Mas'ud, c'est la voix de Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voix de la sunna. Voilà la voix de Mohammed ibn Abdel Wahhab, et on prend de lui dans ça. Il a jamais appelé à une voix wahhabite, à la différence justement de ces sectaires là qui injustement accusent le shir d'être sectaire. Mais eux ont monté des sectes, eux ont monté des partis, eux ont des fondateurs. Eux appellent à autre chose que la voix de la sunna. C'est le comble. C'est vraiment les gens qui font du mal qui disent que les autres font mal. C'est le méchant qui traite les autres de méchanceté. C'est un peu comme la réfutation d'Aïmen Teher. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est lui qui est égaré. C'est lui qui est ignorant. C'est lui qui est sectaire. C'est lui qui est hypocrite. Mais c'est lui qui m'accuse de cela. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. C'est le comble. Donc voilà un petit peu, hein. Ils veulent viser le véritable islam en parlant de wahhabisme, ils ont qu'à l'appeler comme ils veulent, et c'est pour ça qu'ils s'en sont pris au shir l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui a prêché à une époque où il n'y avait que du soufisme autour de lui, c'était que du soufisme autour de lui, il les a réfutés, combattus par la plume, combattus par l'arme. Effectivement, parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Et voilà, du coup les soufis n'ont pas été contents, ils ont dit « Ah, c'est un wahhabite, voilà. » Mais ce qui est drôle... Ce qui est drôle, c'est qu'il traite, yani, il traite des Ibn Taymiyyah et des Ibn Qayyim de wahhabites. Vous savez pourquoi c'est drôle? Parce qu'ils sont morts avant la naissance de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc c'est bizarre qu'un fondateur ne soit pas encore né pour que tu adhères à une secte. C'est difficile, non? C'est comme si quelqu'un à l'époque de Isa, de Jésus, ben, il aurait été disciple de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. C'est impossible. Soi-disant, si c'était le fondateur d'une secte wahhabite, Mohammed ibn Abdel Wahhab, alors comment ça se fait qu'Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, ils auraient soi-disant adhéré à la secte? Allez demander aux Ahbash, aux Soufis, c'est qui les gens Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim? C'est quoi le genre de savant ça? C'est fiable? Non, non, c'est des wahhabites. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr, c'est lui qui a dit ça. Il s'en est étonné, Larry. Il a dit, ah bon, c'est des wahhabites, mais ils sont morts avant sa naissance. Incroyable. Donc selon ces gens-là, l'imam Ahmed aussi, c'est un wahhabite. Parce qu'il a la même croyance. Vous comprenez? Ils cherchent à s'attaquer à l'islam authentique. Ils n'ont rien de véritable contre le shirk comme erreur ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas un gourou, loin de là. Mais ce sont eux qui ont des gourous, qui ont été fondateurs de certaines sectes, qui viennent s'attaquer à lui. C'est parmi les ruses des gens du faux pour rallier les gens à leur sombre cause. Revenons sur les paroles de Vernoché. Allah le guide. C'est ça le drame du wahhabisme. Ils disent que c'est le véritable islam et que toutes les autres formes d'islam sont mensongères, Aynaram, et qu'il n'y en a qu'une seule, Aynaram, la voie de la sunna, et c'est celle-là, oui. On leur met des idées simples dans la tête. Alors pour avoir une idée de ces idées simples, vous lirez, Inch'Allah, le livre en PDF sur le site que je disais, là, l'Observatoire des islamologues de France. Ils ont fait un PDF qui s'appelle « L'imam Malik était-il un wahhabite ?» L'imam Malik est-il wahhabite lui aussi ? On sait que non, alors qu'il a la même croyance que Mohammed ibn al-Wahhab. C'est ça qui est étonnant. Pour réfuter ces gens-là, vous savez, ne leur citez même pas des paroles d'Ibn Taymiyyah, ça sert à rien. Ne leur citez même pas des paroles de Mohammed ibn al-Wahhab, ça sert à rien. Ne leur citez même pas des paroles du Cheikh Fawzan, ils vont rejeter tout en bloc. Ah, c'est des wahhabites, ça c'est des nouveaux savants, c'est... Ils aiment bien l'imam Malik, on est d'accord. Faites leur mal avec des paroles de l'imam Malik. Faites leur mal avec des paroles de compagnons. Dans Al-Qa'ayatul Muraqushiyya d'Ibn Taymiyyah, justement, il parle de sa plume, non? Il fait que de citer les compagnons, Abu Bakr ou bien l'imam Malik, etc. Qu'est-ce que vous voulez que les innovateurs répondent à ça après? Ils disent on a une croyance défaillante. Ils disent on ne comprend pas bien l'islam. Très bien. Alors on leur dit, bah non, je vais t'expliquer. Ils disent, non, tu comprends rien. Bon, ok. Attends, je vais te dire ce qu'ont dit les savants. Non, tes savants, ils sont corrompus. Ok. Bon, bah je vais te dire ce qu'a dit l'imam Ahmed. Ah, et là, ça l'intéresse.
Parce que l'imam Ahmed, il respecte, ils n'ont pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous essayez de réfuter, ramener à la raison des gens tels les Ahbesh, les Soufis, exhortez-les avec l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmed, naam, etc. Mais bien sûr, aussi les paroles du prophète Aïssa al-Salem et les compagnons, naam. Et donc, ces idées simples, voilà, ils disent qu'on leur a mis des idées simples, on leur met des idées simples, c'est-à-dire on est des traditionalistes, on les traite des bêtes, selon eux. Et d'ailleurs, il faut constater les musulmans en Tunisie et partout ailleurs ce qu'on appelle chez nous les laïcs ou les démocrates, qui sont en fait vraiment religieux. Voilà. Donc, pour Vernocher, les vrais religieux, c'est pas les gens comme toi, comme moi, comme les savants de la Sunna. Non, 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 non. Pour Vernocher et les soufis, les musulmans en Tunisie, c'est des musulmans, mashallah. Hein? C'est des laïcs et des démocrates. Mais en fait, c'est des vraiment religieux. C'est eux qui ont compris. Pourquoi? Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, parce qu'ils se sont soumis aux maîtres esclavagistes blancs. Ils se sont soumis au colonialisme. Donc ce sont eux les vrais musulmans. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez avec l'affaire de Si? Hein? Malik Si? Vous vous rappelez maintenant? Vous voyez le rapport avec tout ça? Il disait aux gens, vous voulez être des bons musulmans, vous voulez aller au paradis, vous voulez suivre le Coran, obéissez aux maîtres blancs. C'est pareil. Les musulmans de Tunisie, bah après il y a les musulmans de Tunisie qui s'attachent au haq, hein, c'est pas ça. Mais de manière générale, ouais, c'est beaucoup de laïcs et de démocrates. Bah pour eux, c'est ça les vrais religieux, c'est des musulmans, masha'Allah, ils ont tout compris. Voilà. Hein? Et puis nous, on est des égarés, nous les wahhabites, soi-disant. Il dit, Vernocher, laïque ne signifie pas athée. Ah bon? Mais quoi alors? Ça signifie quoi? Ça signifie musulman accompli? Ça signifie musulman normal. Musulman selon la tradition ou tenant d'un islam populaire, qui n'a rien à voir avec cet islam qui veut tout imposer comme le seul et unique islam et qui est structurellement violent. Subhanallah. Donc ça, c'est les paroles de Vernocher, qui est un ami de Soral. Pour ceux qui aimaient bien Soral et Dieudonné, voyez un petit peu qui sont ses alliés. Voilà. Maintenant, parmi les gens de la Sunna, je parle. C'est pour ça que c'est un comble. C'est un comble quand je vois des musulmans partager ce genre de discours. En disant, il parle bien, hein, il a bien parlé. Il a bien parlé, mais c'est ton ennemi. Il a bien parlé contre l'État, contre... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais un pédophile aussi, il peut dire une parole de vérité, comme on l'a dit, hein. C'est pas pour ça que ce sera mon ami. Donc un pédophile, il dit, moi je pense qu'il faudrait diminuer le prix des amendes, c'est un exemple, hein. Quand on fait un excès de vitesse. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu excessif. Voilà. Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est pour la sécurité routière, moi je suis d'avis que c'est excessif qu'ils prennent 10% d'un salaire, des fois, pour pas grand-chose, pour 3 km/h. Je trouve ça excessif, c'est mon avis. Bon, bref. Un pédophile est d'accord avec moi, je l'invite à manger. Mais non! Soral, il peut dire quelque chose de vrai contre le sionisme, mais c'est pas pour ça que c'est mon ami. Les ennemis de mes ennemis sont pas forcément mes amis. Et ça, les musulmans, ils ont un problème avec ça de nos jours. Dès que quelqu'un il va un petit peu dans leur sens, ça y est, c'est un grand, un frère, un ami. Non, c'est pas mon frère, c'est pas mon ami, tant qu'il a pas ma croyance, ma voix, etc. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'il pense Vernocher. Il dit, laïque, c'est pas de l'athéisme. Non, c'est l'islam normal. L'islam normal, l'islam selon la tradition populaire. Et ça n'a rien à voir avec l'islam qui veut s'imposer comme le seul et unique islam. Il n'y en a qu'un islam. Eux, il y a l'islam populaire, il y a l'islam des champs, l'islam des bois, l'islam de nuit, l'islam de jour, l'islam de France, l'islam de Suisse, l'islam quand t'es fatigué, Allah Akbar. Ah, il me fatigue. Combien d'islam? Il n'y en a qu'un. Il y a l'islam soufi, il y a l'islam des Indes, il n'y a qu'un islam. Effectivement, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas eu 20 islams qui ont été révélés. Il n'y a qu'une seule compréhension de l'islam. Tout le reste, c'est de l'égarement et tout le reste, c'est en enfer. Point barre. Ils sont contents ou pas. Point barre. C'est pas structurellement violent. C'est structurellement cadré. Structurellement révélé. Structurellement sunni. Donc, il y a, oui, le seul et unique islam qui va, bien sûr, contre toutes ces idées déviantes. Allah, allez, voilà pour cette page. Donc, voilà pour la citation du kafir Vernocher. Opposé donc au retour à l'islam orthodoxe, c'est ça qu'on appellerait notre islam, l'islam orthodoxe qui s'attache aux racines, quoi, du prophète Isa alayhi salam, qu'il considérerait comme structurellement violent, soi-disant, Vernocher rêve d'un islam, un islam colonial, l'islam de Malik Si, l'islam des soufis, l'islam wimissier, l'islam au grand maître blanc. Voilà, moi qui rajoute ça. Un bel islam colonial, donc, avec lequel il peut exiger des musulmans de France de se soumettre à sa version personnelle d'un islam laïque modelé à sa guise. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Surat al-Baqara, au verset 79, dans le sens « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Ben, » c'est ce qu'ils font. Ils inventent une religion. Aymen Ter, il invente une religion, mes frères et sœurs, ce qu'on a dit avant.
Ils inventent une religion, ils fabriquent un livre, ils composent un livre, ils le présentent aux gens comme venant d'Allah, en disant « Voilà la religion d'Allah, voilà la voie d'Allah. » Ben, c'est faux. Ils mentent aux gens, comme j'ai dit sur Ayman, ils mentent, ils disent « Voilà, c'est ça la religion islamique, c'est ça le vrai islam, c'est faux. » Malheur à eux. Et c'est avec l'arrogance la plus orgueilleuse que Jean-Michel Vernochet s'attaque à la culture et aux valeurs musulmanes qui prennent forme et se maintiennent dans les limites du Coran et de la Sunna prophétique. Vernochet semble indomptable lorsqu'il déverse sa haine maladive sur les musulmans qui ne sont pas occidentalisés. Et ils nous détestent, quoi. Que ce soit par leur refus d'écouter de la musique. Ah oui, t'écoutes pas de la musique, ils te détestent. T'es obligé. Ou pour leur refus de jouer aux jeux de hasard. Pourquoi tu prends pas un ticket à gratter? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi t'écoutes pas de la musique? Parce que je n'ai pas envie. Non, non, non! Jean-Michel Vernochet, il veut m'imposer. Peut-être à l'heure aussi où je dois aller à la selle. Non, je sais pas. Ils veulent tout nous imposer, ces gens-là. Après, ils nous traitent de sectaires. Qui sont les sectaires? Qui sont les sectaires? Le papy dissident, parce que c'est un ancien, le papy dissident se moque de leurs vêtements, donc de la barbe et de mon khamis. Car si on ne s'assimile pas à la culture française, finalement, on n'est pas vraiment musulman. Pour lui, un bon musulman, c'est celui qui abandonne sa religion. Oui, c'est aussi fou que ça puisse paraître, mais c'est ça. Pour ces gens-là, un bon musulman, chez les soufis, c'est comme ça. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui renie l'islam. Un bon musulman, c'est un athée. Voilà. C'est un non-sens, hein, mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui renie sa religion et sa culture. Autour. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est la stricte réalité. Le désir d'abolir l'identité musulmane est également partagé par Alain Soral, qui considère que tout musulman ayant adopté la culture islamique a en fait raté son intégration et s'est ipso facto radicalisé. Donc on est tous des radicalisés ici, selon Alain Soral. Selon Soral, le refus des musulmans orthodoxes de s'acculturer aurait en fait engendré un métissage forcé de la société française. Encore une fois, c'est de notre faute. Oh, la grande France va mal, la culture française se meurt, on a métissé la France, c'est de notre faute. Voilà, on connaît le discours et la flûte. Au siècle précédent, le fourreur allemand, Adolf Hitler, lui aussi luttait contre le métissage culturel qui a toujours été perçu comme un cauchemar par les islamophobes et les suprémacistes blancs. Là. En effet, la discrimination raciale montre de grandes similarités avec le racisme culturel. Les nazis, eux, ils voulaient préserver leur sang arien. C'est ce qu'ils disaient, préserver la race arienne et la race biologique des blancs. Bon, Stalin. Et ils pensaient pour cela en termes de pureté raciale. Bah, de manière très similaire, de même, Soral, lui, il se bat. Parce que Soral, c'est un nazi, hein, c'est un FN, hein, sachez-le. C'est des FN, ces gens-là, faut pas que vous vous trompiez. Non, et les dissidents, ils sont contre eux. Arrêtez. Vous, ceux qui pensent comme ça, vous me faites penser aux gens qui, quand il y a un contrat, vous avez gagné un voyage au bout du monde. Vous lisez pas les petites lignes. Vous avez gagné un grand voyage et une Ferrari. Vous savez à qui vous me faites penser, ceux qui pensaient du bien de Soral et de compagnie, hein, et les islamophobes notoires? Ah, ils sont gentils, mashallah. Faites penser à ceux qui reçoivent un mail, là, dans les spams. Vous avez gagné un château. Vous avez l'assurance maladie vous rembourse 3000 euros. Et toi, tu cliques dessus et tu rentres ton code de carte bleue. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, Allahu Akbar. Hein? Le piège, le grand piège. Le grand spam. Mais non, il a cliqué. Il a dit, ah, j'ai gagné, hein. J'ai gagné un voyage. C'est pareil. Je ris de bon cœur parce que c'est vraiment, ça me fait rire. C'est pareil. Alors qu'on sait que c'est une pure arnaque. Ben, Soral, c'est une pure arnaque. Non. Soral se bat pour préserver sa uberculture, comme on le sait. Hein, il est raciste, il est FN. Et il pense en termes de pureté culturelle. Les cultures, selon lui, ne peuvent pas se chevaucher. Il n'y en a qu'une. T'es en France, c'est la culture française. Voilà. Tu es un bon musulman, tu t'adaptes. Les nazis considèrent le mélange des races comme une abomination. C'est sale. C'est sale. Ça va corrompre la race aryenne. C'est pour ça qu'ils supportaient pas les gens différents d'eux. Soral conçoit le mélange des civilisations et des cultures comme une souillure morale. Voilà. On va dire que c'est un nazi modéré. Voilà. Et il est moins trash qu'Adolf Hitler. Et il a pas dit il faut tous nous exterminer, mais il faut tous qu'on abandonne notre islam. Voilà. Souillure morale, sans quoi. De ce point de vue, Alain Soral incarne la version française de Samuel Huntington. Le fameux Samuel Huntington qu'on a cité dans le titre. Alors c'est qui lui? Ah mes frères et sœurs, c'est qui celui-là? C'est un professeur à Harvard. Un coordonnateur du National Security Council de la Maison Blanche. Magnifique accent anglais, encore une fois.
le Conseil national de la sécurité, de la Maison Blanche, White House. Huntington prône l'émergence d'un ordre mondial organisé sur la base de civilisation. Il est proche de Bernard Lewis, et ses idées sont largement propagées par les think tanks, les cercles de réflexion américains de droite, comme de la fameuse AEI. Voilà. Donc voilà qui il est un petit peu. Donc, Soral, c'est la version française de Samuel Huntington, qui l'a précédé dans sa conception élitiste de la pureté culturelle. C'est, ils ont une culture, une façon de penser, et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est bien. Ils veulent l'imposer non seulement aux gens qui sont autour d'eux, mais au reste du monde. Donc c'est très, très occidental, très français, très américain. Les deux critiques, Soral et Huntington, critiquent d'ailleurs la présence du concept de multiculturalisme dans la politique intérieure de leurs pays respectifs. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France. Ils n'aiment pas ça. Soral et Huntington semblent ignorer que l'hellénisme arabe se trouve à la base de la Renaissance européenne et que c'est la civilisation ottomane qui a permis le chevauchement entre les civilisations arabo-perses et slavo-orthodoxes. C'est donc la civilisation ottomane, autrement dit arabe, autrement dit musulmane, qui a permis un chevauchement entre la civilisation arabo-perse connue avant et la civilisation slavo-orthodoxe. Ça a été le pont, hein? Les musulmans et les arabes, en fait, c'est les papas des Français aujourd'hui, si vous voulez. Ils leur ont tout appris, et c'est leur grand-père, en fait. Voilà. Ils renient. C'est pas bien de renier le grand-père. C'est pas bien de renier sa famille, hein. Ils renient. Bon, par ignorance, pour beaucoup. Ils renient. Moi, ça me fait vraiment toujours sourire, ces choses-là, quand je vois des anciens comme ça, très, très orgueilleux, marcher dans telle rue, vous savez, rentrer dans une pharmacie. Ils pensent vraiment, c'est chez nous, c'est à nous. Et tout ça, c'est qui a construit tout ça? Qui a inventé ces choses-là? Qui t'a amené cette science, etc.? Sont très fiers d'être comme ci et comme ça, mais alors que c'est un pays de pauvres, culturellement, mentalement, intellectuellement, hein, industriellement parlant, il n'y a rien. On leur a tout ramené. Ça, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Ils sont très imbus d'eux-mêmes. C'est nous, parce qu'aujourd'hui, ils tiennent le pays. On leur a tout donné. C'est drôle. Quand je les regarde comme ça, moi, ils me font mal, en fait. Pense vraiment, Naram, que c'est, ils ont du mérite par rapport à ces choses-là. Ils savent pas. Ils ont oublié papy. Ils ont oublié le grand-père. Non, c'est ça. Hein, c'est comme quelqu'un qui serait très fier de sa maison, dirait c'est à moi. Il oublie que c'est son grand-père qui lui a légué, quoi. Et c'est son grand-père qui l'a bâti de ses mains. C'est la même chose. La France doit tout ou presque tout aux musulmans et aux arabes. Et non. D'où le pont entre la civilisation arabo-perse et slavo-orthodoxe. Non. C'est ainsi que Soral poursuit, en quelque sorte, la mission civilisatrice de Napoléon. Et il soutient inconsciemment le combat du général Valls, qui lui aussi n'arrive pas à accepter les musulmans tels qu'ils sont. Ça, on l'a déjà vu. Certains ont déjà prétendu que Soral, du haut de sa plateforme dissidente, Zerma, guette en fait les musulmans qu'il considère comme des idiots, hein, comme des idiots utiles, qu'il croit pouvoir manipuler et rejoindre à sa cause. Voilà, c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des clics, c'est Dieudonné, c'est Soral, de certains musulmans. Malheureusement, des musulmans ignorants parmi nos frères et sœurs, qui en fait viennent donner du crédit, de l'importance à ces gens-là. Et des gens comme Soral et Dieudonné, ils s'en frottent les mains. Et ce n'est qu'en étudiant l'histoire, la religion et la culture islamique que les musulmans de France comprendront qu'ils n'ont nullement besoin d'opportunistes de ce genre, hein, qui n'ont aucune considération pour leur religion. Donc comme ce qu'on fait maintenant, j'espère vous éclairer. Ses suiveurs, à ces gens-là, ne semblent pas concevoir la manœuvre sournoise dans laquelle ils mettent en avant des blédards de maison. Ils appellent, en fait, à l'assimilation culturelle. D'accord ? Via donc le soufisme. À l'instar de Valls ou de Sarko qui ne cesse de traire la vache algérienne, Dalil, il s'appelle Dalil. Avec son prénom, c'est une preuve contre lui. Femme, il s'appelle Dalil. Quand tu t'appelles Dalil, c'est que déjà, femme, hein, t'as la preuve sur toi. Tous les jours, il se fait appeler Dalil. Subhanallah. Quand on dit que Sarko traite la vache algérienne Dalil, on parle de qui? Dalil Boubacar. Est-ce que même on peut appeler ça un musulman? Sincèrement, au point où il en est, je me demande même si c'est pas fait son takfir tout seul, celui-là. Ah, je vais pas parler. Je vais garder ma langue par crainte d'Allah, mais de ce que je sais, sincèrement, lui, c'est encore plus clair que d'autres. Hein. C'est au niveau de l'apostasie, je parle. Non. El Mouhim. La vache algérienne, donc Dalil Boubacar, qui a été mis, voilà, c'est le chef des musulmans en France, je crois, c'est ça? Enfin, leur chef à eux, pas le mien. Il a été mis là pour éradiquer l'identité musulmane. Soral réclame que pour sauver la France, tous les maghrébins doivent se transformer en Kamel Béchik.
Alain Soral présente effectivement ce béchik, qui est probablement l'Algérien le plus acculturé de la France, comme modèle uniforme de tous les musulmans. Donc c'est ce Kamel Béchik, c'est la même lignée que les Dali Boubacar et les Charles Roumi. Voilà, c'est des gens qui vont vous dire « prosternez-vous devant la France parce que c'est bien ». Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, ils vont prendre des voix comme ça. Allah, il dit dans le Coran qu'il faut être gentil avec les koufars. Et s'il nous a mis, si tu n'es pas gentil avec eux, tu vas aller en enfer. Attention, hein, c'est pas bien. Tu n'auras pas la femme. Et je me moque pas de l'accent maghrébin en soi. Hein. C'est eux, c'est comme ça ils parlent. Ils ont mis des blédards de maison comme ça, les gens, ils savent à peine parler français. Et c'est pas pour me moquer de l'accent, encore une fois, vous savez. Loin de là. Mais c'est comme ça. On nous met des gens, ils savent. Ils parlent pas français déjà. Soit disant, les musulmans de France, ils parlent pas français. Ils nous prennent un accent sorti tout droit des montagnes de femme, de Tataouine. Hein, c'est pas bien. Si tu veux, Hada, t'es pas très gentil quand même, hein. Il faut être gentil avec les koufars, il faut bien se prosterner, comme ça, soujoud bien, lèche les pieds, c'est bien, Allah il est content de toi. Hey, waouh, haoula waoula, oh, ta ila billah, à d'autres, quelle farce. Donc, Béchik, il est probablement l'Algérien le plus acculturé de la France, comme modèle uniforme de tous les musulmans. Pourquoi? Tout d'abord parce que Kamel aime les bistrots franchouillards, il le dit, hein, et l'odeur des vaches de campagne. Après, l'odeur des vaches de campagne ne me dérange pas non plus, parce que c'est la nature, alhamdoulilah. Donc ça, c'est pas forcément un argument. Mais le bistrot franchouillard, ça oui. Mais aussi et surtout parce qu'il n'a plus rien de musulman en apparence, et qu'il considère que la civilisation musulmane doit faire place à la civilisation française. Alors lui, carrément. Lui, c'est pas une assimilation, c'est carrément on éradique la civilisation musulmane. Raison pour laquelle Soral le décrit comme un musulman authentique. Vous imaginez? En fait, plus t'es égaré, plus t'as apostasié, surtout plus t'as un musulman authentique. Alors ça, c'est des vrais musulmans. Ah ça, ceux qui ont complètement délaissé l'islam, c'est comme, ça peut paraître fou, mais récemment, vous savez ce qu'on m'a dit? J'étais quand même assez subjugué par autant de mauvaise foi. Une femme qui se voile pas, un homme qui prie pas à l'heure, c'est ça un bon musulman. C'est l'idée qui est véhiculée ici, comme par les Soral et autres. C'est ça un bon musulman. Donc c'est un musulman en fait qui est pas investi dans sa religion, c'est ça un bon musulman. Et j'ai le répété, mais je vais vous, familièrement, vous saouler à la fin avec cette idée. Mais je l'ai répété combien de fois, l'idée d'Andounia, du travail. Il est jamais au travail, personne ne va dire que c'est quelqu'un qui travaille dur. Il fait jamais de sport, personne ne va le qualifier de sportif. Pourquoi il y a que dans le din, quand quelqu'un ne pratique pas, les gens ils disent il est masha'Allah. Quelqu'un qui pratique, c'est quelqu'un qui est attaché à sa religion. Quelqu'un qui ne s'attache pas à sa religion, on ne peut pas le qualifier de musulman pratiquant. Et il n'y a que des musulmans pratiquants où il n'y a pas de musulmans du tout. C'est aberrant. Donc voilà, Kamel Béchik, Dalil Boubacar et qui vous disent... Hein, tout ce qu'on vous a dit avant, avec un joli accent en âme, c'est des musulmans, mashallah, authentiques, zerb. Kamel Béchik est devenu le nouveau Charles Roumi, ben voilà, téléguidé de la dite dissidence française. Au nom d'un patriotisme chauvin, le franco-algérien appelle les musulmans à défendre les intérêts de la France et à prêter allégeance au drapeau tricolore, walayyav billah, chose que personne n'a jamais demandé aux Français autochtones. Kamel se bat aussi pour l'abolition de la double nationalité, qui selon lui poserait un obstacle pour l'acculturation. Kamel il dit, non, il faut que t'abandonnes, t'es pas algérien, t'es pas marocain, abandonne les papiers. Et fais jamais la hijra dans ta vie, va jamais en vacances, non, arrête. Reste avec nous, c'est ça qu'il dit. Non. Kamel se bat donc pour abolir la double nationalité qui selon lui poserait un obstacle à l'acculturation. Voici donc un joli petit beurre dont Marine Le Pen peut être fière. Voilà, ça c'est le joli petit beurre de lui. Voilà. Le bon petit bougnoule de maison, comme on disait. C'est comme ça qu'il pense et c'est comme ça qu'il parle. Ne soyez pas choqués. De toute façon, si vous êtes arrivé au cours 5 de la culturation des musulmans de France, vous n'avez pu être choqué de grand-chose. C'est le gentil petit bougnoule de maison. T'es bien gentil, Kamel. Alors, c'est un petit peu, il a gardé son prénom quand même, c'est un petit peu exotique. Kamel, j'aime bien Kamel, ça. Hamt, ça me rappelle la cigarette. Non, mais c'est comme ça qu'il pense. Ah, Kamel, c'est le tabac des Indes. Oh là là. C'est ça, c'est comme ça qu'il pense. Ah, tu t'appelles Kamel. Kamel, dromadaire Sahara, ah, Touareg, thé à la menthe, you, couscous, merguez, Kamel, voilà, c'est comme ça qu'il pense. Il est gentil, Kamel, il est très gentil, Kamel Béchik, et là, il nous a bien facilité le travail d'acculturation, voilà comment pensent les koufards. Et moi, vous imaginez à côté, comment ils me détestent. Parce que moi, là-bas, je m'appelle Thomas. Donc c'est moyen. Moi, maintenant, Qassim, bon, mais bien que parfois on me prend pour un maghrébin, et c'est pas un problème, voilà, prends pour un kabyle, c'est pas un souci, si c'est, comme je l'avais déjà dit, mes 5% de sang qui ressortent, peut-être que j'ai une tête de kabyle, j'en suis pas fier à l'excès, mais j'assume et j'en suis content, non.
Donc parfois ils me prennent pour ça, mais dès que je décline mon identité, les gens me regardent avec des grands yeux parfois. Je donne mon nom, mon prénom, et... Ah, d'accord. Ah, vous êtes de chez nous, alors. Vous êtes un traître, alors. Dans les administrations, c'est assez drôle. El Mouhim. Donc forcément, ils nous détestent, et puis bah, ils les encensent, ces gens-là, parce qu'ils se sont bien prosternés devant eux, tout simplement. Béchik, il travaille en tandem, en fait. Il travaille en tandem avec qui? Avec le pseudo-imam, appelé Tarek Obro, qui, en tant qu'acculturateur agréé par la République, il a son tampon, lui, il a sa carte, hein. Il parle du problème. Quel problème? Il parle du problème que pose la visibilité de l'islam en France. C'est on parle trop fort, on se sent trop fort, on marche trop vite, le ramis c'est trop voyant, la barbe c'est trop voyant, le voile c'est trop voyant, faut se faire discret. Hein? Hadas, tu peux un petit peu comme ça là, mettre en sourdine le din là, parce que tu es trop grillé. Donc il faut un petit peu comme ça, hein, tu te fais un peu plus discret s'il te plaît. Si tu n'es pas chez toi, il n'y a pas les you-you, tu n'es pas au bled, ici tu es en France, il faut respecter les Français. C'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il parle. Voilà, je vous la fais avec un ton d'humour, mais c'est comme ça. Le problème de la grande visibilité des musulmans en France. Hein, et ils prônent une visibilité musulmane discrète. Vous voyez, hein, j'ai devancé le livre. Et une visibilité musulmane discrète, c'est-à-dire... voilà, juste tu te refais pas le visage. Chirurgie, c'est cher. Donc tu gardes le teint, mais c'est tout. C'est tout. Si tu es à la montre, c'est... Alhamdulillah. Voilà. Après, si tu peux éviter, là, comme ça, là, de... Hein, d'Allahu Akbar ici, hein. En abolissant les préceptes islamiques sur lesquels il y a un consensus, comme sur celui du voile. Le voile, pourquoi faire? Le voile, pourquoi faire? On n'est pas dans le, on n'est pas dans les pays musulmans ici, comme ça qu'ils vont vous dire. Ces gens-là, il n'y a pas de voile. Le voile, ça n'existe pas. La femme, elle n'a pas à se couvrir. T'es en France, quelle idée t'as à vouloir te couvrir ici? Non mais franchement. Le tout sous un prétexte, donc voilà, avec... avec un joli accent, du mettre un peu le bon sens dans la pratique religieuse des musulmans de France. Comme ça qu'ils pensent. Du bon sens, on manque tellement de bon sens, nous. Soyez un peu raisonnés. Hein. Ceux qui suivent donc un discours apporté d'ailleurs et d'un autre âge. Vous êtes des Moyen-Âge, comme ça ils disent. Vous êtes des gens moyenâgeux. Tarek Obrou préconise donc une approche théologique de l'acculturation. Lui, il veut carrément, Naram, c'est dans les fondements de l'islam. Il veut pas simplement que tu abandonnes ton dîn. Il veut te faire croire que le dîn, il veut te faire croire, lui, que le dîn, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il prône. Et dans les fondements de l'islam, comme Aïmenter, il fait. Pourquoi il est pas content quand je le réfute? Il dit, ah, ils sont méchants, ils mentent sur Allah, ils mentent sur le Coran. Aïmenter, il me reproche ce que je lui reproche. Il me traite d'hypocrite, de menteur, de méchant. Et c'est tout ce dont je l'accuse. C'est comble. Mais à dire que je mens sur le Coran. En fait, ils viennent vous dire, en gros, que la religion de l'islam, lui, Aïmenter, c'est... Aïmenter, en fait, c'est quoi? C'est les disciples, les petits, c'est les petits-enfants, les disciples de ces Tarek Obro, de ces Kabel Béchik, c'est les mêmes, c'est la même lignée. Voilà. Les non-musulmans, là, les koufars, c'est nos frères, etc. C'est ça, l'islam, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Allah, il a dit dans le Coran, comme ça. Y a pas ton tawhid à toi, y a pas là le voile. Non, tout ça, tu compliques les choses, t'es dur, t'es extrémiste. Ça existe pas en islam, c'est pas le vrai islam. C'est pas ça, la sunna. C'est chez nous, le vrai islam. C'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils viennent réformer l'islam, comme ils disent, on va réformer, on va faire une réforme de l'islam de France, et en faisant une approche théologique de l'acculturation. La théologie, vous savez, c'est quoi? C'est les bases, c'est les fondements. On dit des théologiens, c'est des gens qui ont appris les bases, les fondements d'une religion. T'as des théologies en christianisme, en judaïsme, en islam. Hein? Et ben, il s'improvise théologien. Sauf qu'il n'y a plus rien à voir avec l'islam dans ce qu'il prône. Et c'est ce qu'il fait, le petit là, le Ayman. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il est d'avis que l'islam se limite à une spiritualité, à un bon comportement, comme Ayman. Et ne possède pas vraiment sa propre culture ou de valeur. Pour lui, l'islam de France propose les mutations nécessaires pour pouvoir apaiser la colère islamophobe des laïcs intégristes face à la visibilité musulmane. Donc ça veut dire en gros, fie-toi tout petit et tu te feras pas taper. Vous avez compris? Hein? Mis pas le voile, sinon tu vas prendre les coups de canif. Hé! Raf un peu, hein? Hachem, hein? Tu peux pas un peu comme ça, tu me fais que des problèmes. C'est ça. Moi, je suis gentil avec eux, ils vont rien te faire. Mais oui, c'est ça. Ils vont rien me faire tout court. Nam. Et quant à son, et quant à, non, j'ai sauté l'inam, et la sourate Yunus, verset 15, dans le sens, Allah Ta'ala dit, et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent,
Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le. Dis, ya Muhammad, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Allahu Akbar. Pareil. On répondra la même chose. Moi, je n'ai pas changé la religion pour leur faire plaisir. Je ne fais que suivre ce qui a été révélé. Ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à changer de dîn. Pourquoi ils veulent parler encore d'islam? Ils n'ont qu'à dire, nous n'avons plus rien à voir avec l'islam. Nous abandonnons l'islam. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais ils veulent garder un islam, en fait, pour on ne sait quelle raison aussi, plutôt on sait, parce qu'ils veulent amener les musulmans qui s'attachent encore un peu à leur religion dans leur filet, vers l'apostasie. Ces gens-là travaillent à la botte de Shaitan. Ces gens-là travaillent à la botte de Satan. Shaitan, il a promis à Allah Ta'ala d'amener un maximum de gens en enfer. Mais c'est pas en disant aux gens, venez apostasier, venez vers l'apostasie. Non, les gens vont pas vouloir. Non, non, nous, on veut rester musulmans. Alors, ils les amènent à l'apostasie en leur faisant croire qu'ils sont encore musulmans. Vous avez compris? Et donc, ils viennent changer l'islam pour dire que ça reste islamique. Nous, on va changer. On va faire un islam comme ça. On va le changer. Ça nous plaît pas. Donc, le vrai islam, on n'en veut pas. Mais si on dit qu'on arrête l'islam, les gens vont pas nous suivre. Comme on veut qu'ils nous suivent dans le feu, c'est des appeleurs au feu, eh ben, on va changer l'islam. Comme ça, ils vont croire que c'est toujours de l'islam. Mais en fait, non. Voilà. Et on va discriminer, cataloguer, critiquer et combattre tous ceux qui s'attacheront à l'islam originel, le pur, l'orthodoxe, le simple. L'islam simple et unique. Tous ces gens-là du vrai islam, le seul et l'unique, on va les combattre, on va dire qu'ils sont sur le faux. Voilà le plan. Non. L'islam, toujours selon Tariq Obrou, ne doit pas négocier sa place dans la laïcité en termes de droit, de bras de fer, mais doit plutôt s'intégrer en termes de culture. Voilà. Même pour le spectateur impartial, il doit être hallucinant de voir comment un blédard, hein, le fait qu'il soit du bled n'est pas en soi un reproche, c'est ce que dit l'auteur. Parce qu'on peut peut-être croire ici, il y a des gens qui vont s'offusquer, il dit blédard, il dit le bled, il prend l'accent comme ça, c'est pas de la méchanceté. Oh Allah, il a rien, j'ai juré, c'est pas de la méchanceté, il n'y a aucune critique, il n'y a pas de reproche à ça, loin de là. Non. Donc l'auteur précise bien le fait qu'il soit du bled, parce que c'est un blédard, non diplômé, n'est pas en soi un reproche, car beaucoup de personnes du bled sont des musulmans exemplaires, avec une croyance authentique et un comportement plus islamique que les musulmans même nés en Occident. Donc c'est pas critiquer le bled. D'ailleurs, qui ici ne veut pas retourner au bled? Moi personnellement, si demain je peux vivre en Algérie, Allahu Akbar, hein, je vais vous le dire la vérité. Donc moi je cherche le bled, hein. J'aime le bled. Hein. Je l'attends le bled, non. Ici c'est mon bled, mais c'est pas mon bled en fait. Vous avez compris? Donc faut bien comprendre ça. C'est pas une critique de quoi que ce soit, d'une culture ou quoi que ce soit. C'est une... Ah, mais c'est prendre en raillerie ces gens, finalement, parce qu'ils sont pathétiques. Le fait que cet émigré, donc, on disait, oui, il y a des musulmans blédards, donc dit blédards, qui ont un comportement plus islamique que les musulmans nés en Occident. Donc ça, c'est dit. Or, le fait que cet émigré vende sa religion pour pouvoir s'installer en France et combattre les musulmans, fait d'elle une ordure. Voilà. Fait d'elle une ordure. C'est là qu'on dit, c'est un blédard ordure. Parce que l'immigré vient vendre sa religion, tout ce qu'il a de plus cher à la base, normalement, pour s'installer avec les koufars et en plus combattre les musulmans. Cette personne-là est donc une ordure, et on n'a pas peur des mots. Voilà. Non. Donc, il est hallucinant, même pour quelqu'un d'impartial, de voir ce blédard non diplômé se permettre d'exiger à la musulmane cultivée qui est née en France de s'adapter à la société française en mettant son foulard dans sa poche. Là, il y a une sœur, elle est convertie. Tu vois, elle a été éduquée, même elle a fait des études, etc. Ou même, pas forcément une convertie, une femme. Hein, une femme. Elle connaît bien la France. Elle connaît très bien la France. Elle y est née, c'est son pays. T'as quelqu'un, elle arrive du bled, imaginez. Et bien, elle lui dit comme ça. Il faut s'adapter à la culture française, hein. C'est pas bien. Voile, c'est dans la poche. Tu as compris, hein. Ah, attention. Tu parles de quoi, toi? Tu parles de quoi? Tu connais rien. Pardon Allah, tu connais rien du tout. T'as pas de diplôme, t'es là, tu sors du bled. T'arrives ici, tu vas donner des leçons aux gens, comme ça. Et encore une fois, c'est pas une critique des gens du bled. C'est la critique des gens du bled, idiot. Des gens comme lui, en fait. En fait, c'est pas les gens du bled. C'est les blédards prosternés devant les colons. C'est eux, mes ennemis. Bah, c'est les harkis, en vérité. L'ennemi, c'est le harki. C'est pas le blédard, il y a des blédards valeureux. Moi, le blédard, attaché à son pays, fier de son pays, de ses origines, de sa religion, c'est mon frère en Allah, ou c'est ma sœur en Allah, cette personne-là, mais bien évidemment. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on prend en raillerie? Là, on vise qui? C'est ces blédards qui se prosternent devant les colons. C'est ces soufis, c'est ces apostats. Hein? C'est eux.
C'est eux ces ridicules-là, c'est pas les blédards, attention, parce que ce coup-là, ça va faire des polémiques. Il a critiqué les gens du bled, loin de là, loin, 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 loin de là. Par contre, gens du bled ou pas gens du bled, tu commences à te faire des prosternations devant les couffins, là, on n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord du tout. Voilà. Tu descends de ta montagne, là, tu vas dire aux gens, mets le foulard dans la poche. Il retourne boire du thé dans ta montagne. Subhanallah. Dans un projet satanique qui vise à abolir les apparences et les valeurs musulmanes en France, le duo, Kamel Béchik et Tarek Obrou appellent donc de manière on ne peut plus explicite, ce duo appelle à une manière explicite une acculturation totale des musulmans de France. Obrou, pour l'argent et pour le prestige. Hein? Obrou, c'est pour l'argent et le prestige. Là, comme tous les acculturateurs des musulmans, Obrou a été décoré chevalier de la Légion d'honneur en 2013. Rappelons que l'ordre national de la Légion d'honneur a été institué par Napoléon, qui assura la première distribution de ses décorations. Rien n'a changé. Tiens, tiens, tiens. Qui a instauré la décoration de la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur? Napoléon. Et qu'est-ce que faisait Napoléon? Lancer le projet d'acculturation. Qu'est-ce qu'a fait Napoléon? Saccager des mosquées en Égypte. Qu'est-ce qu'a fait Napoléon? Tuer des musulmans. Tuer des savants, brûler des livres authentiques de l'islam. Tiens, tiens. Et aujourd'hui, on décore toujours en France les pantins de la République, là, les apostats de la Légion d'honneur. Voilà. Et on leur donne, bien sûr, une maison, peut-être de l'argent, le prestige, etc. Voilà comment on traite ces gens-là. Voilà. Ils leur donnent, en fait, un os à ronger, quoi. Une gamelle, tiens, des croquettes. Allez, gentil bougnou, là, maintenant, arrête de faire du bruit et puis dégage. C'est comme ça qu'ils parlent et c'est comme ça qu'ils pensent. Vous êtes décoré de la Légion d'honneur et puis une fois qu'il est parti, pensez qu'il parle comment de lui? Sincèrement. Cher Roumi, ils vont lui mettre la décoration de la Légion d'honneur. Après, comment il parle de lui en privé? Sincèrement. Non mais vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez vraiment que Macron, il va discuter pendant des heures avec Charles Roumi autour d'un café, autour refaire le monde. Il n'en a rien à faire de lui. Tiens, prends ta croquette et va-t'en. T'es gentil. Tiens, bon nègre. Voilà. C'est tout. C'est dur à dire, mais c'est tout. Obrou, donc c'est pour ces raisons-là, et Béchik, lui, c'est pour des raisons nostalgiques liées aux vaches de souche et aux visites des bistrots de la petite enfance. Lui, voilà, c'est un grand amoureux du camembert et du vin rouge, voilà. Il est désolant de voir Alain Soral, qui défend des positions louables à l'égard de la mondialisation, parce qu'il a des positions louables, mais c'est pas pour ça que c'est mon ami, à l'égard de la mondialisation et du sionisme, c'est vrai. Mais il est écœurant et désolant de le voir... se mettre avec ces gens-là, alors qu'il est soi-disant contre la mondialisation, contre la franc-maçonnerie et contre le sionisme. Et pourtant, il flirte avec l'idée mondialiste d'assimiler les musulmans à une culture qui n'est pas la leur. Ne conçoit-il pas l'idée que les francs-maçons, donc les francs-maçons notamment en France, sachez que la France est un pays profondément franc-maçon, que les présidents sont des francs-maçons, ne s'en cachent même pas. C'est pas une légende, c'est pas ok, salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, alors cette fois-ci mes frères et sœurs, non. Hey Narb, quand on a le guide, non. C'est pas lui, c'est pas je vois des étoiles, des triomphes partout, c'est pas ça. C'est une réalité, ne s'en cache pas, la France est un pays franc-maçon. C'est François Hollande, il le dit de sa bouche. C'est un franc-maçon. La République, en fait, la République française a été bâtie sur la franc-maçonnerie, mais il ne s'en cache pas, en fait, c'est quelque chose de connu. Il y a eu des reportages sur Arte, sur M6, enfin, c'est connu, en fait. Hein? Je répète, c'est pas... attention, voyez, là, il a fait un triangle avec ses doigts, oh là là là, attention Non, même s'il peut y avoir des vérités là-dedans, mais là, je vais pas rentrer dans le délire de complotiste, de parano, de... arrête de voir des triangles partout et vois un peu plus ton tapis pour faire des sujoud. Tu seras plus utile. C'est pas en regardant des vidéos d'Illuminati sur YouTube que tu vas apprendre ta religion et la transmettre à tes frères et sœurs. Ça sert à rien. Ça, c'est comme ceux, je dis, qui font des rappels, ils parlent tout le temps de la mort, tous les jours. On voit, il y a des comptes de rappels, ils font des captures de tweets, ils parlent que de la mort. Son compte, il parle que de la mort. Un tel il est mort, c'est un rappel. Et la mort ceci, la mort cela. Naam, mais t'apportes quoi comme solution? Tout le temps, c'est des comptes morbides. Moi j'appelle ça des comptes morbides, il parle que de ça. La foi, monte pas. Je vois pas. T'as apporté quoi aux gens? Comment tu leur enseignes du fiqh, de la aqida, et tu réfutes qui pour pas qu'ils les écoutent? Comment tu leur apportes une plus-value dans leur din pour qu'ils se préparent à cette mort inévitable? T'as rien à leur apporter. Ils apprennent aux gens qui vont mourir. Eh, vous savez quoi? Vous allez mourir. Waouh. Formation capitale. Ça sert à rien. Donne une... Si tu rappelles ça, Naam, c'est bien. Donne une clé derrière. Comment te préparer à cette mort? Voilà. Bah, c'est la même chose. C'est ces comptes-là qui font ce genre de rappel. Et je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. La même chose avec les vidéos de complotistes Illuminati. Il y a des Illuminati, ils vont nous combattre, le Dajjal. Mais t'apportes quoi? T'apportes quoi pour se parer contre eux? Qu'est-ce que t'apportes aux gens?
Le dégel. Toute la journée, il parle de ça. Ça me fatigue aussi, ça. Tu crois que le dégel, il va arriver après-demain? Tu crois que le dégel, c'est mon facteur? Tu crois? Oh là là là, si t'avais seulement un tout petit peu appris les signes de la fin des temps, tu sais que le dégel ne peut pas arriver maintenant, parce qu'on est encore dans les petits signes. Il n'y a pas les grands signes qui sont tombés. Le dégel, il est loin d'arriver. Wallahu alam, il est très loin d'arriver encore. On est une époque de petits signes de la fin des temps. Ah, ça, c'est clair et c'est net. On n'est pas dans une époque facile, et c'est clair et c'est net. Voilà. Mais wallahu alam, je ne pense pas que je verrai le dégel de mes yeux. C'est chronologiquement et prophétiquement impossible. Par rapport à des... Vous comprenez ça? Mais ça, c'est les savants de la Sunna qui parlent de ça. Allez, tous les jours, ils voient le dégel. Il y a le dégel. Obama, c'est le dégel. Trump, c'est le dégel. Ma grand-mère, c'est le dégel. Non, mais subhanallah, vous pourrez sourire, mais c'est vrai. Ouais, les sionistes, ils ont fini de construire le temple. Ah, le dégel, il va sortir. Subhanallah. Trois points d'Aqida, tu les interroges, ils comprennent rien. Ah non, c'est des gens qui écoutent Ayman TR. Ou bien, même s'ils n'écoutent pas Ayman TR, soi-disant, ils vont dire on écoute Sheikh Fawzan. Ils ne l'écoutent pas en profondeur. C'est ceux qui ont pris leur religion, des fatwas courtes, des sites avec des fatwas courtes aussi, voilà, les vidéos, les sites. En fait, c'est les sunnis de surface en France, c'est les salafis de surface qui ne comprennent rien à rien, au final, et qui se mettent dans des sujets, je dirais même pas secondaires, c'est intéressant le sujet du Dajjal, mais à la lumière de quoi? Barakallahu fikoum. Avec quelle lumière tu vas regarder ce sujet-là? Comment tu vas l'apprendre? Voilà, non, ça parle à tort et à travers. Ça parle à tort et à travers du Dajjal et de d'autres sujets, donc forcément, voilà, ils sont fascinés de pas mal de choses, voilà. Et c'est pas ça, moi, que je voulais mettre en avant quand je disais la franc-maçonnerie. Parce que c'est réel. Il y a une loge en France, il y a plein de loges, il n'y en a pas qu'une. Ça s'appelle le Grand Orient de France. D'accord? Et le Grand Orient de France, qui est une loge franc-maçonne, a proposé en décembre 2014 25 mesures. Elle a proposé à ça, c'est-à-dire en termes de lois votées, des mesures. Et que ça remonte jusqu'au Sénat ou je sais pas où, là, à l'Assemblée. Non, c'est réel. C'est un pays profondément franc-maçon. Les dirigeants, les plus grands notables de ce pays sont dans la franc-maçonnerie. Sont des gens de Satan, en fait, c'est... Voilà, et là, il n'y a pas de... Illuminati, non, réellement, en fait, concrètement, ils s'en cachent même pas, d'ailleurs. Et donc, ils avaient proposé 25 mesures afin de renforcer la laïcité, c'est-à-dire diminuer la visibilité des musulmans dans l'espace public. Et puis voilà, depuis 2014, on voit hein, que ça commence à porter ses fruits, ça fait maintenant bientôt 4 ans, ça fait 3 ans et demi que ça dure, cette histoire, on voit vraiment nettement que ça a été resserré, il nous resserre fortement. Donc Soral, il est avec ceux qui veulent faire ça, il est soi-disant contre la franc-maçonnerie, mais il est avec les francs-maçons qui veulent combattre les musulmans. Ne sait-il pas ou ne conçoit-il pas que les francs-maçons, eux aussi, s'efforcent à séculariser les musulmans et à extirper leur foi en instaurant une monoculture occidentale et mondialisée? En fait, il est avec eux. C'est de la fausse dissidence. Donc la réconciliation nationale que prône Soral ne peut avoir lieu qu'en acceptant l'autre tel qu'il est. Lui, il veut qu'on se réconcilie, lui. Comme ça s'appelle son site, Égalité et Réconciliation. Un truc comme ça. N'alliez pas sur son site. N'y allez surtout pas. Ne peut avoir lieu qu'en acceptant l'autre, effectivement, tel qu'il est. Donc s'ils veulent que on soit bien ensemble, il faut qu'ils m'acceptent tel que je suis. Tant que je fais rien d'illégal et tant que je ne suis pas violent, bien évidemment. Mais nous ne sommes pas des terroristes. Mais vous me laissez être qui je suis. Sans vouloir me remodeler, sans vouloir me soumettre à des valeurs laïques. Sans me tricoter une nouvelle religion. J'en ai pas besoin. Et j'ai ma vie, j'ai mon caractère, j'ai mon identité, j'ai mon parcours, je sais comment je m'appelle, qui je suis, qui est ma famille, mon histoire, j'aime l'histoire, j'aime la culture, j'aime ma religion, j'aime mes valeurs, j'ai pas besoin d'autre chose. Et puis Nora, Abou Yassir, Yulia, Imran et Leila et Femte, etc. Tout le monde ici aime sa propre voix, on n'a pas besoin d'être modelé. Donc Alhamdulillah, et puis c'est tout. Et c'est uniquement là que l'autre reconnaîtra une égalité réelle. Je me sentirai égaux à ses citoyens quand on me considérera comme ça. Vide de toute supériorité raciale et culturelle, quand on m'acceptera pour ce que je suis et pour ce que je pense. Mais tant que Soral est incapable d'accepter les musulmans, Soral et d'autres, tant que Soral est incapable d'accepter les musulmans avec leurs différences culturelles, ces derniers le verront comme un faux ami. Comme un faux ami qui, comme Napoléon, on sait ce qu'a fait Napoléon, un grand traître, je ne devais que le sourire, mais en fait il a combattu les musulmans comme jamais. Donc un faux ami, un traître qui, comme Napoléon, essaye de les séduire avec des déclarations d'amour fallacieuses. On aime le prophète, on aime l'islam. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Vous voulez le combattre en vérité, mieux de l'intérieur. Et ils se diront qu'en fin de compte, Soral n'est pas mieux que Valls, que Sarkozy ou que Dalil Boubaker, car tous se battent pour que l'islam en France devienne l'émanation des valeurs françaises. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je dis wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous avez des questions, Inch'Allah ou Ta'ala, c'est le moment.
Voilà, comme je vous dis, on a fait une heure de cours. Après l'heure de réfutation, alhamdoulilah. Voilà, on reprendra le livre, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain, avec le thème le divan napoléonien. Le divan napoléonien, c'est une métaphore, c'est la structure avant-gardiste du CFCM. Bien. Le divan napoléonien, la structure avant-gardiste du CFCM. Et qu'est-ce que le CFCM? C'est eux qui, hein, disent qui donnent les décisions pour les musulmans en France. Le Conseil français du culte musulman. Voilà. Donc vous verrez, on va parler un petit peu de tout ça. On citera des savants de l'islam. Inch'Allah, on va continuer d'apprendre notre religion et décrypter la ruse et la farce de ces gens-là. Nah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous préserve. Nah. Wallahu a'lam. Une question, oui. Et je répète une énième fois, qu'on ne me dise pas après, que je ne me moque pas de l'accent de ta mère ou de ton père ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Faire la part des choses. Là, c'est comme quand on critique, dit ceux qui aiment le camembert et les petits pois carottes. Ma grand-mère aussi, elle mange du camembert et les petits pois carottes. Donc, je ne critique pas ma grand-mère qui, elle, est gentille, qu'Allah la guide. Et au contraire, elle serait plus à défendre les musulmans qu'autre chose. Là, qu'Allah la guide. Là. C'est, je préfère le préciser. D'ailleurs, on va se sentir offusqué, mais ma mère, à part avec cet accent-là, etc., ça n'a rien à voir. Là, faut faire vraiment la part des choses, prendre un petit peu de recul sur ce sujet-là. Faut pas être à fleur de peau. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y a-t-il une explication à pourquoi les gens de l'innovation, les innovateurs, acceptent les paroles des pieux prédécesseurs, mais pas celles des savants, sachant que ces derniers transmettent la même chose? Alors déjà, Nora, sache qu'ils n'acceptent pas en vérité les... Je vois ce que tu veux dire par rapport à ce que moi j'ai dit, mais ils n'acceptent pas concrètement les paroles des pieux prédécesseurs. Ils en acceptent qu'une partie, les autres ils vont les rejeter, les oublier ou les tronquer, ça c'est premièrement. Ils vont accepter une partie qui va dans leur sens en fait, une partie qui ne les réfute pas. Voilà. Excuse-moi. La fatigue, une partie qui ne les réfute pas. Si un pieux prédécesseur dit « il faut prier la nuit, c'est barcha Allah », ils vont mettre ça en avant. Après, ils vont être avec les pieux prédécesseurs. Mais quand les pieux prédécesseurs, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la réfutation d'Ayman, disent la médisance ceci, cela, ils vont se boucher les oreilles. Donc, ils n'acceptent pas toutes les paroles des pieux prédécesseurs. Voilà. Ensuite, pourquoi parfois ils en acceptent des paroles des pieux prédécesseurs et pas celles des savants, ici? Les savants, on va dire, contemporains, déjà ceux qui sont vivants, peuvent aussi réfuter cela, ces idées-là. On a plus de paroles. Ce qui nous reste de chez les pieux prédécesseurs, c'est assez, je dirais pas assez pauvre, hein, ils ont vraiment travaillé, etc. Mais, comment dirais-je, il y a des sujets, il y a eu des fitaines qui sont arrivées après. Il y a des sectes aussi qui sont arrivées après. Par exemple, chez les pieux prédécesseurs, on ne trouve pas quelqu'un qui peut réfuter une secte. Par exemple, les Ahbash. Les Ahbash, il n'y avait pas encore. Si tu veux quelqu'un qui réfute les Ahbash, c'est avec les savants contemporains. Voilà. Qui effectivement disent la même chose, transmettent la même chose, la même base. Mais il va être plus précis sur cette secte-là. La secte des Haddadi, elle n'existait pas du temps de l'imam Ahmed. Alors comment l'imam Ahmed, il va réfuter clairement les Haddadi? Vous comprenez? C'est Sheikh Fawzan qui a parlé des Haddadi, tu vois? Donc déjà, ils ont un problème par rapport à cela. Ils ont un problème par rapport à cela. Et les paroles des pieux prédécesseurs, ils ne les prennent, comme je t'ai dit, pas toutes. Pas toutes, ils les tronquent. Parce que souvent, on les corrompt avec ça. Et puis eux, ils se disent, on s'attache aux savants des quatre écoles, des quatre siècles, etc. Et le reste, aujourd'hui, c'est les savants du palais, c'est les savants contemporains. C'est les savants du chétain, c'est les savants de l'argent, etc. Alors qu'effectivement, ils transmettent la même chose, ils disent la même chose. C'est pour ça qu'on les met au pied du mur, parce que parfois, on leur dit, regarde, Cheikh Ibn Baz, il dit A, Imam Ahmed, il dit A. Mohamed Ibn Abdel Wahhab, il a dit B. Ibn Qayyim, il a dit B. Et tiens aussi, Ibn Mas'oud, il a dit B. Tu vois, et on les met comme ça. On les met comme ça face à leurs contradictions, mais ils n'acceptent que rarement. Ils disent, non, on prend que des anciens, et je ne sais pour quelle raison satanique et obscure, ils s'entêtent dans cette voie, qu'Allah les guide. C'est pourtant, comme je dis, tellement limpide et simple, ils transmettent la même chose. Donc c'est une bonne remarque, mais cherche pas à rentrer dans le cerveau d'un Hizbi, parce que personne ne voudrait y être. Énorme. Allahu a'lam. Et je n'ai pas très bien compris, la franc-maçonnerie, c'est des partisans de Shaitan, ou al-'ayyaz billah, c'est bien ça, Inch'Allah. Oui, oui, oui. Oui, entre autres. Oui, la franc-maçonnerie, après, voilà, on va faire des cours sur la franc-maçonnerie, on a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est un mouvement satanique, oui. C'est des adorateurs du diable, oui. Très clairement. Ils font des sacrifices humains, ils sont dans la politique, dans la finance, etc. Les francs-maçons sont des diables, bien sûr. Les francs-maçons sont des gens très très sales. Vous savez, les clubs échangistes, les choses comme ça, c'est dirigé par des francs-maçons. Tout ce qui est sale, cherche pas plus loin.
le meurtre, le sang, le tout ce qui est impur, c'est les francs-maçons. Mais sous couvert de nous, c'est pour la lumière, etc. Ce sont des gens très très obscurs, les francs-maçons. Très 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 obscurs. Voilà. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose de très 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 obscur. Mais voilà. Reste dans la lumière, toi. Prends le tawhid. Mais voilà. Entre d'autres sectes du diable, oui, elle en fait partie. Naam. Et là, il dit, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, quelle est la différence entre juifs et sionistes? T'as les juifs simples, naam, c'est une bonne question aussi, t'as les juifs simples, en fait, qui sont pas pro-sionistes. Le sionisme, en fait, c'est ceux qui veulent absolument, comme on le voit ici, combattre les musulmans et récupérer une terre. Comme ils disent, la terre de Sion, ça vient de ça. La terre de Sion, le sionisme pour eux, c'est la terre qui leur a été volée, qu'ils doivent ici récupérer, voilà. Le sionisme, ça vient à la base du nazisme. Le sionisme et le nazisme, il n'y a qu'un pas. C'est pour ça d'ailleurs que, regardez bien, les sionistes proposent les mêmes discours que les nazis. Et agissent de la même manière que les nazis. Regardez la manière dont les sionistes, de, non pas Israël, parce qu'Israël est le nom d'un prophète, de Yaakov, mais les Yahouds, les injustes, les tyrans, là, les tout ça. Là. Regardez comment ils se comportent avec Philistine, avec les Palestiniens, avec Gaza et compagnie. Regardez un peu comment c'est injuste. Regardez la même manière... faisaient les nazis, non, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. C'est de cette manière-là qu'il fonctionne. Est-ce que vous comprenez? De sioniste à nazi, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, c'est la même équipe, c'est la même chose. Ils ont les mêmes visages, les mêmes manières de penser, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sionistes ont pris le flambeau des nazis. Quand les nazis ont disparu, en vérité, ils leur ont mis une terre. En fait, il y a eu une terre qui leur a été donnée. C'est là qu'ils ont commencé à regarder au niveau des dates, ils ont commencé à prendre possession d'une partie de la Palestine, etc. Ils ont été placés là. Ils ont été placés là, après Hitler, etc. etc. Donc c'est la suite, en fait. Du nazisme, on passe au sionisme. C'est la descendance, si tu veux, des nazis, les sionistes. Ils se comportent de la même manière, ils ont le même programme politique, c'est la même chose. C'est pareil pour te dire, mais c'est des juifs. Pas les juifs, n'arrivent qui ont été combattus, etc. comme ça. C'est un autre peuple encore. Les sionistes ne sont pas comme les juifs dont on va parler ici, qui sont certes égarés, qui sont dans leur shirk, mais qui sont pratiquants, pacifiques et qui peuvent vivre avec les musulmans en paix. Et eux, ils ne veulent pas à tout prix absolument avoir cette terre-là. Ils ne se revendiquent pas de la terre de Sion et comme un peuple élu ou quoi que ce soit. Non, c'est des juifs. C'est des juifs. Il y a des juifs qui sont tout à fait gentils, respectueux. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Après, ils sont égarés, ça c'est autre chose. Mais il y a des juifs, avec qui je pourrais avoir une discussion plus posée qu'avec des sionistes. Avec des sionistes, c'est difficile. Voilà, le sionisme, en gros, après, je suis pas là, moi, pour des cours sur ça, etc. Mais voilà, ils pensent avoir une terre qui leur revient, voilà pourquoi ils disent on va exterminer les Palestiniens jusqu'au dernier, parce que c'est à nous. Voilà, c'est notre terre, et sur cette terre-là, ils, comme on disait, ils vont ériger un temple, voilà, et pour faire venir leur pseudo-divinité, ou leur pseudo-mahdi, Masih ad-Dajjal, voilà, et vont faire des sacrifices humains et compagnie, c'est tout, c'est ça. C'est la suite du nazisme, en fait, c'est la suite de la diablerie, en fait, c'est la suite du satanisme. C'est vraiment lié, il y a un gros fil conducteur, tu verras si tu apprends l'histoire, entre le nazisme et le sionisme, en fait. Voilà, ils ont été placés là, et voilà. C'est les petits à Hitler, en vérité. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est drôle quand tu vois des sionistes pleurer pour la Shoah. C'est drôle. C'est vraiment une mascarade, leur truc. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. Il y a des vrais juifs qui ont souffert et eux, naam, c'est rien à voir avec ces gens-là. C'est vraiment drôle quand tu vois ces pourritures s'offusquer de la même manière que tu sais que c'est des coups montés la plupart du temps, les attentats en France. Quand tu les vois après faire une marche et tout, pleurer comme ça, larmes de crocodile, pleurer et faire devant le rassemblement. C'est terrible ce que vit la France, il faut rester soudé alors que c'est eux-mêmes qui ont orchestré les attentats. C'est tellement drôle. Voilà. Pour ceux qui pensent que je suis un complotiste ou quoi que ce soit, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais je sais ce que je dis et j'en suis convaincu. Voilà. C'est comme quand tu vois des partisans de Daesh crier « Il faut être contre les mécréants !» Alors qu'en vérité, tu sais que c'est une poupée de l'Occident, Daesh. C'est franc-maçon, c'est sioniste à toute pompe. Il y a des savants de l'islam qui le disent, naam. Donc c'est des farces, en fait. Mais c'est vrai que ça trompe l'œil. Hein. Quand tu vois Daesh, tu penses islam. Quand tu vois sioniste, tu penses juifs qui ont souffert. Quand tu vois Macron en train de pleurer lors d'un défilé, tu penses vraiment que la France, elle a été touchée. Tu vois? Mais on sait tous que c'est Bush qui a envoyé deux tours dans le World Trade Center. Tu comprends? Ils sont capables de faire du mal à leur propre peuple. C'est des farces, c'est des mascarades. Ils ont toujours joué comme ça. Ils ont toujours joué comme ça, les politiciens. C'est pas. Même Ben Laden, qui est un agent de la CIA, je veux dire, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, mais c'est pas des musulmans qui vivent en Afghanistan ou je sais pas trop où, qui sont partis prendre l'avion, le mettre dedans. Non, c'est pas des gens affiliés à l'islam.
c'est soit des apostats, soit Naam, des agents de la CIA à la base, des gens infiltrés, des francs-maçons pareils, des sionistes, des ce que tu veux. Et c'est Bush qui a envoyé lui-même des avions dans ses tours. Voilà. C'est connu. Après, on va rentrer après dans des choses que je veux pas. Les gens commencent à regarder des vidéos sur Internet, le complotisme, le ceci, le cela, la parano, mais dans les dessins animés, c'est juste un petit détail. Mais dans des dessins animés tels que, vous savez, Donald, Picsou, etc., ou les Simpsons, il y a déjà eu des signes subliminaux liés au 11 septembre. Mais on parle de ça 20 ans avant le 11 septembre. Tu vois, on parle de ça en 1980 ou en 1990, 10 ou 20 ans avant le 11 septembre 2001. Ça s'invente pas, je veux dire. T'as des exemplaires de Picsou Magazine ou je ne sais pas quoi, où tu vois deux tours avec un avion qui va rentrer dedans. Parce qu'ils avaient prévu leur coup. Ils se sont dit, nous, on a un plan, on va faire ça. Et ils aiment comme ça. Alors, je sais pas, ça doit être des offrandes à Shaitan, ça doit être des adorations, je sais pas, je suis pas sataniste, ou la Yahweh, donc je sais pas ce que ça signifie. Mais c'est le fait comme ça de mettre en avant certains signes pour prévenir déjà leur clan, les Illuminés, là, les Illuminati. Ça existe, hein. J'aime pas parler de ça, parce qu'après, les gens vont rentrer dans des tas de choses. Mais ça existe. C'est pas quelque chose de faux. Ce qu'il faut après, c'est faire la part des choses et rester concentré sur Din al-Islam. Moi, j'aime pas, c'est que les gens après passent des heures et des heures à regarder des vidéos de tout le monde et de n'importe qui sur Internet et ils vont raconter des choses vraies mais des choses fausses. Si vous voulez qu'on parle des Illuminati, attendez mon cours, on en parlera de temps en temps. Demandez-moi, posez-moi des questions en question-réponse. Racine, tu peux nous reparler de ça, s'il te plaît. Je dis pas que je suis un grand savant, mais je saurais faire la part des choses entre l'information véridique et le mensonge. Vous comprenez? Je resterai kitab wa sunna. Si vous allez écouter n'importe qui sur les Illuminati, vous allez finir. Voilà quoi. Avec les égarés. J'ai pas envie de ça pour vous. D'accord? C'est bien clair ce que je vous dis. Je vous défends d'aller regarder des vidéos ou lire des choses sur les Illuminati et sur les francs-maçons. Je vous en défends. Arrêtez ça. Personne. Si vous demandez, soit vous appelez un Elim, soit vous me dites, Rassim, parle-moi des Illuminati et des francs-maçons et de le Nouvel Ordre Mondial. Qu'est-ce qu'il en est? Ça existe. Mais il faut faire tranquille dessus. Mollo, comme on dit. Et puis de toute façon, on se concentre sur la dîne. Allah Ta'ala, il les tient tous par le toupet. Allah Ta'ala, il t'a dit, adore-moi sincèrement d'un culte exclusif. Alors mon frère, ma soeur, tu te concentres sur cette adoration exclusive ici. Pas autre chose. Tu doutes pas, t'as pas peur, t'es convaincu qu'Allah Ta'ala, il va secourir la Oumma. T'es bien dans ta croyance. Mais il y a des chariatines, comme de tout temps, qui sont là et qui cherchent un petit peu à bomber Shaitan, c'est vrai, oui, Nouvel Ordre Mondial, oui, bon, et alors, ils sont qui ces gens-là? Ils me font pas peur, moi. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi contre Allah Ta'ala? Vous comprenez? Allah, il les tient par le toupet, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais ça existe. C'est des suppôts de Satan, c'est des disciples de Shaitan qui œuvrent pour la propagation du mal et du faux sur Terre, ouais, c'est vrai. Ah. Donc, dans certains dessins animés ou magazines avant, vous voyez, ouais, vous voyez des tours comme ça, voilà, avec un avion qui va dedans, ils avaient prévu leur coup. C'est tout. Donc aujourd'hui, on sait, et puis ça dérange personne, voilà, ils préfèrent réfuter cette thèse-là et dire non, c'est la version officielle, c'est que c'est un méchant arabe, un méchant musulman, voilà, de l'islam salafiste, soi-disant, on n'a rien à voir, qui a fait cette chose-là, alors que Oussama Ben Laden, est-ce qu'il a vraiment existé en tant que Oussama Ben Laden? Est-ce que c'est pas juste une photo qu'on a relayée de lui ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est pas un agent de la CIA, tu sais, frère, ça, se faire pousser une barbe, employer trois mots d'arabe, dire Allahu Akbar, porter une kalachnikov, mettre un turban, tout le monde sait le faire. Vous savez, il y a Hollywood là-bas. Vous savez ce que c'est Hollywood? C'est comment on appelle ça là? C'est leur mec à eux, hein. C'est leur mec, c'est leur lieu sacré à eux des acteurs, de l'acting, de la comédie. Ils savent très bien jouer la comédie là-bas. Les meilleurs films, même si les films sont haram, sont bien américains. Les meilleurs acteurs sont américains, ils sont pas français. C'est marrant. Ça c'est les... Eux, ils jouent très bien la comédie, très 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 bien. Alors arrêtez de croire que c'est impossible de tourner une vidéo avec trois barbus derrière qui disent « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ekbir !» Voilà, un couteau avec du sang et dire « Ah, nous menaçons l'Occident. Ah, méchant islam, méchant musulman. » En fait, ils sont à Los Angeles. En fait, ils sont en Californie en train de tourner la vidéo. J'en suis persuadé. Allah, j'en suis persuadé. Ah, quand tu vois dans certains films les explosions, les effets spéciaux, machin, Allah, c'est bien fait, on s'y croit rien. Alors arrêtez de nous bassiner avec Ben Laden, arrêtez, Zerma. L'islam ne connaît pas le terrorisme, il n'y a pas de terroriste en islam, ça n'existe pas. Si ce n'est les petits jeunes désabusés, comme j'ai dit, qui suivent ces sectes-là. Mais la secte à la base, elle est liée, oui, au Nouvel Ordre Mondial, elle est liée au sionisme, elle est liée aux francs-maçons. Parce que regardez l'histoire prophétique, mes frères et sœurs, c'est très important. Le prophète Issalat wa Salam, quand il a désigné les premiers Khawarij, les premiers, il parlait de qui, de quoi? D'un juif. D'un juif.
un juif, Naham, qui va être le gourou et le mentor de ces gens-là. Et ces gens-là vont apprendre de lui, vont sortir de chez lui. Et le Dajjal va sortir parmi qui ? Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les juifs et parmi les gens de Daesh. Il y a différentes versions. Le Dajjal, Masih al-Dajjal, sortira parmi les juifs et parmi les gens de Daesh. Le hadith ne vise pas les gens de Daesh, comme ça, parmi les Khawarij. Les Khawarij, les drapeaux noirs, ces jeunes-là têtus, bêtes et qui feront du mal, comme le hadith les mentionne, il est authentique, Naam. Ce hadith-là dit bien que Masih al-Dajjal va sortir parmi eux, parmi leurs rangs, en Irak. Parmi les juifs et parmi les Khawarij. Parce qu'ils sont de la même famille. Et leur existence de base, c'est la Naam, là, un juif, c'est lié à un juif. C'est le père des Khawarij. Donc aujourd'hui, voilà, à part les petits jeunes désabusés qui les suivent, on sait très bien qui sont ces gens-là. On n'a rien à voir avec l'islam. Le terroriste n'a rien à voir avec l'islam. Le terroriste n'est pas un musulman. Tout ça, c'est de la tromperie. Je viens de dire, à part les petits jeunes désabusés, ils se font avoir, en fait. C'est des victimes de tout ça. Franchement, Massakil, sincèrement, j'ai peine pour eux. Oh, j'arrive même pas vraiment à les détester foncièrement parce que c'est des gamins perdus. Vraiment. Ils me font vraiment de la peine plus qu'autre chose. C'est terrible. Mais de l'autre côté, c'est des gourous juifs, des gourous sionistes. C'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et ils amènent les gens comme ça à faire croire que, voilà, l'État islamique, islam, pour faire dégoûter l'islam dans le cœur des gens, mais il y a de plus en plus de gens qui se convertissent. Ça, c'est dommage. C'est dommage pour eux. Allah Azzawajal va parfaire sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. La lumière va exister, qu'ils le veuillent ou qu'ils le détestent. Hadith authentique aussi rapporté. Ah, par Ahmed, il me semble. Cette religion, je préfère être précis quand je dis rapporté par un tel, je n'aime pas dire une approximation sur ce sujet. Non, je ne dis rien. Il est là, sous mes yeux. Donc, je vais vous le trouver rapidement. Ahmed, c'est bien ça. Ahmed. Le prophète, al-salatu wassalam, et c'est rapporté par l'imam Ahmed, a dit cette religion se répandra aussi loin que s'étendent la nuit et le jour. La nuit et le jour, elle touche quoi, mes frères et sœurs? Toute la planète. Toute la planète, absolument toute la planète a connu la nuit et le jour au moins une fois. Ça c'est sûr, et même plus d'une fois. Énorme. Cette religion elle va aller partout, ils peuvent rien faire, qu'ils le veuillent ou qu'ils le détestent. Donc ils font des ruses, ils font des choses comme ça, ils veulent dégoûter les gens de l'islam tout simplement. Avec leurs histoires d'attentats, de sectes soi-disant, de courants, de branches extrémistes de l'islam. Il n'y a pas, ça n'existe pas. L'islam c'est la sunna c'est l'islam, c'est la salafia. Qu'Allah nous préserve. Ah, du mal de tous les chariatines, ils ne doivent pas nous faire peur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Si tu as la foi, la connaissance, ils peuvent pas te toucher en fait. Quoi qu'il en soit, ils ne pourront pas. Tant qu'ils ne prennent pas ta croyance, ils t'ont rien pris. C'est l'essentiel. D'où l'importance de fuir l'acculturation ici. Voilà. Et puis tant qu'à faire, Inch'Allah aussi, de fuir ce pays dès que c'est possible. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ou sinon, au moins, en attendant, s'accrocher à sa religion et se rendre utile, comme j'essaye de faire, moi, ici, en propageant certaines idées, quoi. Voilà. On aura un petit peu parlé, voilà, de ce sujet aujourd'hui, et c'est réel, hein. Tout ce qu'on dit, ça, c'est réel, hein. Y a pas théorie du complot, soi-disant. Toute personne, même parmi les koufars, hein, le peu que j'ai pu discuter, toute personne voit bien qu'il y a quand même quelque chose de pas clair derrière tout ce monde. Toutes ces élites, il y a quelque chose de pas très clair, quand même. Pour toute personne qui se creuse un peu la tête. N'a pas besoin d'être un salafiste, soi-disant. Un musulman de la sunna, non. Même pas besoin. Simplement quelqu'un qui s'interroge. Et qui voit que les choses ne tombent pas rond. Et qu'il y a des gens qui sont très très très, très injustes, très très impurs. Et toute personne le verra. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire des juifs et de Daesh et des États-Unis et compagnie. Voilà. C'est la même équipe. Différentes branches, mais même équipe. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on va se laisser maintenant. Et je vous dis, à demain après-midi pour un nouveau cours sur les hadiths concis, l'explication des hadiths concis. Et voilà, en espérant que cela vous aura plu aujourd'hui, aura été bénéfique pour la communauté. Naam, wallahu a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdik shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.